C'est un petit miracle de Noël qui s'est produit au cours des dernières heures. Il y a plusieurs syndicats qui font partie du Front commun qui ont effectivement conclu des ententes de principe sectorielles. Et j'en parle avec notre collègue Alain Laforêt. Alain, nouvelle de dernière heure, vous venez d'apprendre que les négociations sont maintenant suspendues. Oui, on croyait là, effectivement au petit miracle, c'est-à-dire une entente avec le Front commun et une entente avec la Fédération autonome de l'enseignement, sauf que Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, vient d'envoyer une déclaration. Les négociations se poursuivront le 26 décembre prochain, ce qui veut dire qu'on fait une pause de Noël. Ça s'accélérait, a dit, depuis deux jours après l'entente avec la FSE-CSQ, le plus gros syndicat de l'enseignement. Tout est allé très rapidement. Il y a eu les ententes sectorielles pour l'ensemble des syndicats de la CSN, de la CSQ. La PTS a également eu une entente sectorielle. Aujourd'hui, une première entente au niveau du collégial est tombée pour un des syndicats de la Fédération des travailleurs du Québec. Et on a négocié, selon nos informations, une bonne partie de la nuit dernière pour arriver à une entente à la table centrale pour ce qui est du Front commun. Sauf que là, on sent tout le monde est un peu épuisé et c'est Noël, qu'on a besoin d'une pause jusqu'au 26. Donc, les négociations vont se poursuivre durant la période des fêtes. Du côté de la Fédération autonome de l'enseignement, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Ils sont en blitz depuis deux jours. Et là aussi, on a convenu que c'était impossible d'arriver à une entente pour Noël, comme tout le monde l'espérait. Ce qui fait que les négociations vont reprendre entre Noël et le jour de l'an. Pour ce qui est de la FIC, qui est en conciliation, c'est également suspendu. Le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, c'est suspendu. Le syndicat des fonctionnaires du gouvernement du Québec, c'est suspendu. Mais pour ces trois syndicats-là, on le savait que ce serait plus long. Surtout la FIC, le premier ministre l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines. Mais pour ce qui est de la FAE, le syndicat qui est en grève depuis 22 jours, alors que la Fédération des syndicats de l'enseignement a obtenu une entente vendredi, pour plusieurs enseignants, ça commence à être très difficile. Un résumé de Kevin Crane de Marais. Et nous, l'anxiété est là. On ne sait plus où se garrocher. Des enseignants affiliés à la FAE se disent à bout de ressources. J'ai plus les moyens, moi non plus. Tu sais, mon épicerie, mon repas de Noël, il est assuré par des cartes cadeaux qu'on a bien voulu me donner par un de mes collègues là, qui m'a remis ça. Je sélectionne les médicaments que j'achète. C'est le seul syndicat en éducation qui n'a pas conclu une entente de principe avec le gouvernement. La grève générale illimitée, déclenchée le 23 novembre, fait mal. On avait tellement espoir que, OK, on commence, ça va mettre une grosse pression, le front va suivre, et là, on arrivait à quelque chose de rapide. C'est pas ça du tout qui s'est passé. La majorité des enseignants, on s'attendait peut-être à une semaine, deux semaines gros maximum, et là, je pense qu'on s'est fait jouer un tour face à ça. Le tour, c'est l'entente du gouvernement avec la FSE qui est reliée au Front commun. Toute la pression est maintenant sur la FAE. Du côté de la FAE, on est un petit peu embêté. On va peut-être être obligé de suivre ce que signait la FSE. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est sûr qu'on n'a jamais des nouvelles de la négociation. C'est toujours dangereux de jouer le tout pour le tout et de jouer avec la sécurité de ses membres, la sécurité financière. Après 22 jours de grève sans rémunération, la stratégie de la FAE est remise en question en constatant les ententes de principe des autres syndicats. C'est un gros pari qu'ils ont fait. C'était très risqué. Quand on aura fait le post-mortem de ça, je pense qu'il va y avoir des constats très sévères. Les profs sont solidaires, surtout les profs de la FAE. Ces deux enseignants soutiennent toujours la FAE. Je ne démordrai pas de ça, que le sacrifice qu'on a fait, c'est clair qu'il a ouvert la voie au blitz qu'on connaît dans les dernières 24-48 heures. Pour Michel Pellerin, qui prendra sa retraite en juin prochain, sa dernière année scolaire lui laisse un goût amer. Ce qui a été triste dans cet événement-là, c'est qu'on n'a pas pu vivre Noël avec les élèves. Habituellement, la dernière semaine avant Noël, toujours une semaine magique, mais là, la magie n'était pas là. Kevin Crane-Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.